Le terrain d'observation est familier, trop familier. L'observateur se doit donc de rester en éveil. La situation se répète généralement tous les jours à heure fixe. Elle nécessite un certain nombre d'objets, du mobilier, table, chaise, divers ustensiles, toiles cirées, nappes, serviettes, assiettes, couverts, corbeilles à pain, bouteilles, carafes, verres, saladiers et autres récipients de tailles diverses et variées conçus pour accueillir l'élément essentiel, la nourriture. Dans la majorité des cas, on trouvera disposés sur la table les condiments de base. Sel, poivre, moutarde, cornichons. Outre les objets et les aliments, la situation exige la présence d'au moins un participant. On observera par ailleurs que la main-d'œuvre est essentiellement féminine. Plus rarement, mais de façon significative, on notera parfois la présence d'un animal domestique. L'observateur, en tout état de cause, se doit de rester discret. Merde, on mange du pain comme ça. Pourquoi? Mais c'est une part pour prendre un maïs. Est-ce qu'il y a du maïs? Tu vas pas regarder tes mails? Non. Et les films? Oui. Tu viendrais avec moi faire quelques cours cet après-midi ? Moi, je viendrai avec elle. Mmh. Oui ? Mmh. Franchement, je fais chier parce que ça fait trois fois que je repars le pique-nique. Mais... Comment ça ? Pourquoi ? Pour quand ? Demain ? Hein ? Je la fais pour faire des frites avec les mains. On est naturel, on n'est pas... Ah oui, je t'ai pas mis de sauce. T'en veux de la sauce? Non. C'est pas bon. C'est pas bon. D'ailleurs, t'as vu, genre, son texte, il commence par « je hais ou perds ». « Je », tu vois, entre guillemets. Est, E-S-T. Ah ouais, c'est jamais, pas mal. Il n'a jamais connu son père, ce qui était déjà abandonné. Et en fait, c'est lui. Ah, c'est pas mal. C'est le titre ou c'est la première phrase? C'est un grand corps. Et en fait, il a toujours peur aussi d'être comme son père. D'être, tu vois, il a toujours peur de cette image qu'on ne connaît pas. Et puis qu'il soit arrivé en voiture tard. Ouais. Et moi, je pense. C'est fantastique, son père. Ah, c'est Jean Arnaud. Le fameux Jean Arnaud. Non, je veux dire, non, parce qu'il a l'air un peu dull, tu sais, comme on dit. Dull, tu sais, morose, triste, je sais pas comment est l'expression.
René a acheté le disque là que je voulais, By Mir Bizouchen, que l'on joue à trois guitares, mais on voulait avoir les paroles en allemand, qui c'est pas un véritable allemand d'ailleurs, ça c'est du yiddish allemand, un petit peu. Et c'est une chanson qui est dans très ancienne. Je voulais savoir s'il vient cet après-midi. Alors il vient ce soir vers 6h30, on écoutera le disque. Bon, ben c'est parfait. Ah, bah, tu t'es pas servi, Magique. Non, non, bah, serre-toi, mais il y en a pour tout le monde. Pas de panique. Pas de panique. En vieillissant, c'est très, très important d'avoir des copains avec lesquels on puisse jouer, par exemple, de la musique ou faire des choses ensemble. Il y a toutes les Bruxelles sur les raccords parce que j'ai joué à la vapeur et je mets de moins en moins de sel dans les animaux. Il est bon ton poulet. Ah, ben je te remercie. Ah. On fait exprès, hein. Ce soir, j'ai tenu. C'est Carmen, il y a la coiffeuse. Ah, c'est bien la coiffeuse à domicile. Il y en a beaucoup qui veulent venir à domicile. Hein. Ça a l'air même plus cher que d'aller en salon, pareil. Toujours la même. C'est la même fille de DU, là, non? C'est pas ça. Ah non, c'est 45. 45, oui. Ouais, elle peut habiter 45 et puis faire, ouais. Bah là, il y en a une qui passe dans la rue, là. Glace commerciale, du voilà. Commerce. Glace du commerce. Thank you.
Alice, tu vas faire dodo? Non. Je sers qui? Alors, tu donnes à manger à la, tu donnes à manger à la souris et au chat, là. Allez, am. Attends, avant de couper, attends, attends. Voilà. Approche de ta fourchette. Un morceau de cervelle. Le chat, il dit, de la viande, c'est très, très, très bon, ça, pour les petits chats. Très, très, très bon. Du l'abricot. Oh là 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 là. Tiens, attends, bon. Je vais te... Non, 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 mets pas le bazar. Mets pas le bazar, s'il te plaît. Allez. Anna. Mais c'est pas la peine de te tordre comme ça. Arrête.